Tu ne pourras pas aller partout avec moi. Je vais à beaucoup d'endroits. Non. Je vais au champ. Je vais à la rivière. Je vais au marché. Ici même dans ma cuisine, on peut me tuer. Non. D'autant plus que c'est tout le monde qui veut me tuer. Non, s'il te plaît. Personne n'osera s'attaquer à toi tant que je serai à tes côtés. Personne n'osera m'affronter de face. Hein? De toutes les façons, je commence déjà à avoir sérieusement peur. Alors, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il y a une seule et unique solution. D'accord. C'est que toutes les femmes de ce village cessent de courir après moi. Non, mon ami. Comment ça va? Que tu laisses les femmes des autres tranquilles. Que tu laisses les femmes de ce village tranquilles. C'est ce que je veux. Oh. Et grâce, si tu ne commets plus de gaffe, tu peux vivre moi aussi tranquillement. Ce n'est qu'à ce prix-là que je peux vraiment vivre. Tiens-toi le pour dit. Ou alors, si tu veux que je meure, autant que tu me le dises maintenant. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons nos pains, c'est le pain de l'amitié. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous le ton amour. La 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 la. La 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 Mais tu m'as fait peur. Et puis c'est même quoi cette façon de débarquer derrière les gens sans prévenir? Oh Sabine, je suis un chasseur, je ne dois pas faire du bruit. Et tu me prends pour du gibier? Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Mais c'est quand même une bonne idée, hein, d'avoir à penser comme cela. Ok, désolé si j'étais fait peur. C'est vraiment le cas de le dire, parce que quelqu'un peut mourir comme ça, comme la blase. Autant que ça. Puis j'ai demandé pardon, non? Et en arrivant tout à l'heure, j'étais entendu chanter. Tu peux continuer, tu sais. Bon. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur tout à l'heure, Sabine? Est-ce de voir quelqu'un arriver derrière toi ou alors de savoir que c'est moi, ta fille? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est à toi de me le dire. En tout cas, si tu veux savoir, moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Ah, ça me rassure. Ok. Maintenant que je sais que tu n'as pas peur de moi, est-ce que nous pouvons faire plus ample connaissance? C'est-à-dire? Martina, je suis venu prendre un verre comme d'habitude. Un verre? Oui, un seul. Un seul verre? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Merci.
Hein? L'argent. Oh, Martine. À crédit. Quoi? À crédit? Jamais. Martina, je paye la semaine prochaine. Pas d'argent, rien. Le petit fonds qui me reste là, il faut qu'on me le paye cash. Je n'ai plus de marchandises et il faut que j'aille faire les achats. Je sais. D'ailleurs, tu n'as jamais voulu me donner ton vin de palme à crédit. Martine, tu sais que je suis abonné chez toi, hein? Et d'ailleurs, j'ai gagné un marché, un grand marché, dans le village voisin, un peu long. Dès qu'on me paye, je viens te payer à la fin de la semaine prochaine. Azan, et tu comptes sur cet argent-là? Bien sûr. Vraiment, c'est à peine si tu entres en possession de cet argent qu'il est déjà fini. D'être à gauche, d'être à droite, fin de semaine. Quelle fin de semaine? Martine. Ces fins de semaine qui n'ont jamais eu de fin. Martine, toi-même tu sais que tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans ce village. Tu es ma seule personne, hein, Martine. Un seul verre. Je paye la semaine prochaine. J'ai dit, hein, pas d'argent, rien. L'argent en main, service assuré et rapide. D'ailleurs, j'ai beaucoup de travaux à faire. Tu peux partir. Non, Martine, je peux même t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Va-t'en. Martine, tu ne me fais pas confiance. Personne ne me fait plus confiance dans ce village. Ah, Martine, toi, tu sais, non seulement on arrache ma femme, ma propre femme. Tu es ma seule personne, ah, Martine. Tu ne me fais pas confiance. La semaine prochaine, je paye. J'ai dit non. Pas d'argent, rien. D'ailleurs, si tu m'entends encore parler là, c'est que ce n'est pas Martine. Aïe. Jean. Ton rafarmi, c'était bon. Très bien. Tu as bien mangé. Ah, c'était délicieux. C'était bon, c'était délicieux. Tu es content d'avoir mangé la viande. Mais tu ne te demandes pas là où ça sort. Hein? Je suis devenu maintenant l'homme. Je suis devenu la femme. Hein? Une femme abandonnée, je cours partout en brousse, à derrière les rats, pour que nous puissions manger quelque chose de salé, alors que tu es là. Toutes les femmes de ce village, leurs maris ont déjà débroussaillé leurs champs, qui ont enlevé les herbes. Je veux que tu viennes, ne serait-ce que couper les gros arbres là, tu ne veux pas. Tu passes ton temps à monter, descendre avec un bébé. Non, ça va comme ça. Ça suffit, madame.